Peut-être on peut revenir sur l'équipement des consommateurs français. Effectivement, on parle du marketing mobile. Aujourd'hui, il y a 64 millions de cartes SIM. Alors, le taux de pénétration en France est de 99%, sachant que sur Paris-Île-de-France, il est supérieur à 100. Donc, il y a des régions, évidemment, en France où il est inférieur. Donc, tout le monde n'a pas forcément un téléphone. Les statistiques disent que si, mais on est bien conscient que non. On l'a déjà dit pour les smartphones et les mobinautes. Les mobinautes, ce sont des gens qui ont été sur Internet au moins une fois le mois dernier, l'enquête. Ce qui est important sur l'Internet mobile, c'est que le trafic commence à être aussi important que sur le web, puisqu'on est sur de l'Internet en mobilité et les gens l'utilisent énormément. Et les deux sites majeurs, Google et Facebook, font quasiment le même nombre de visiteurs uniques par trimestre que sur le web en France, ce qui devient quand même colossal. Parce qu'effectivement, les gens ont les PC, ont Internet sur le mobile. On utilise évidemment en situation de mobilité le téléphone, mais on l'utilise aussi à la maison. Il faut dire aussi que pour l'instant, les détenteurs de smartphones sont plutôt des gens qui surfent au-dessus de la moyenne en temps par jour ou par semaine. Oui, de toute façon, les premières démarches lorsqu'on va sur Internet mobile, c'est, en tout cas en France, c'est l'actualité. Or qu'aux États-Unis, c'est plutôt la localisation du point de vente. Et deuxième en France, c'est effectivement le GPS, c'est-à-dire la localisation d'un lieu. Ce qui est important à savoir, c'est que, en tout cas en France, les utilisateurs vont d'abord chercher le lieu de vente, et une fois qu'ils sont, donc ils utilisent leur GPS, donc parfois ils acceptent, parfois ils n'acceptent pas la localisation. Et la deuxième phase, c'est effectivement d'avoir de l'information produit auprès du fabricant. Ce qui est important de savoir, c'est que le fabricant reste l'acteur crédible et majeur pour avoir une information du produit et pas forcément le point de vente. On cherche le point de vente, une fois qu'on y est, on recherche l'information qui est crédible et les fabricants que vous êtes, vous avez l'information crédible et c'est important qu'il y ait effectivement une caution aussi comme GNSS1.